C'est le point culminant de la saison, c'est tout simplement la finale de la Champions League qu'on a sous les yeux. Quel match, quelle affiche. Le Real Madrid affronte le PSG. On va vivre un moment d'histoire ensemble. Nos petits cœurs sont prêts à vibrer. La finale des Champions League, c'est la vie. Du Real Madrid dans le but, c'est Thibaut Courtois et Eder Militao avec Antonio Rüdiger en défense centrale. Jude Bellingham sera associé à Fede Valverde au milieu de terrain et devant Kylian Mbappé. Fort, on le connaît, c'est le pressing. C'est simple, si vous voulez voir comment va une équipe, regardez-la presser. Donc, pour cette équipe, tout va bien. Elle va bien, elle défend bien, elle attaque bien, c'est un véritable spectacle. Et voilà, c'est le coup d'envoi de cette finale de Ligue des Champions. Mendy. Vinicius. Bellingham. Olé, belle technique là. C'est repoussé par le gardien, oui. Un corner qui est bien ajusté. Le dégagement. Fede Valverde. Le tir. Oui, le Real ouvre le score et prend une option dans cette finale. À aucun moment on s'imagine une frappe de si loin. En même temps, c'est cet effet de surprise qui est très efficace. Paris est mené d'un but. Nuno Mendes. Ballon intercepté, bonne intervention. Il y a du soutien là pour attaquer. Eh non, c'est rendu ça. Ouais, la passe aérienne. Oui, c'est bien défendu et donc le ballon est éloigné. Mbappé. Mbappé la frappe. Oh, c'est contré. Corner. Et ce corner est dégagé par la défense.
Et ça joue sur Vinicius. Ouais, c'est contré, bonne défense. Vinicius. Bellingham. Avec Kylian Mbappé. Ah, la frappe part plutôt bien. Mais non, sans danger, finalement, ce tir. Nuno Mendes. Donnarumma. Ouh, Vinicius. Bonne intervention du gardien. C'est parti. Et là, le ballon est renvoyé sans aucune difficulté. Et c'est un nouveau corner. Ah, c'est dégagé, mais attention. Mbappé, la frappe. Oh, c'est bien défendu. C'est bien parti pour ce corner. L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Le ballon en touche. Ballon récupéré grâce à cette interception. Et peut-être un bon contre à négocier là. Mbappé revient dans l'axe. Ah, le ballon écarté de la zone dangereuse. Ah, ça sort en corner et c'est l'occasion peut-être là pour le Real de faire le break. Penalty, la défense éloigne le danger sur ce corner. Ouh, la frappe. Et la barre transversale renvoie cette frappe. Et ça n'ira pas plus loin. C'était le but du break, mais le hasard a gagné contre l'illusion. Le montant a gagné contre le succès. Et ouais, cette tentative là qui s'est heurtée au montant. Et maintenant tout est à refaire. Avantage laissé à Paris après cette faute. Ouais, hors-jeu, c'est hors-jeu. Vinicius, il y a du monde en soutien. Le ballon change de camp. Dembélé. Vinicius. Mbappé. Mbappé. Et le gardien fait le nécessaire.
Le corner bien tiré. C'est un ballon bien renvoyé. Dani Carvajal. Carvajal. Ah, il prend le meilleur sur son vis-à-vis. Attention à ce ballon dans la profondeur. Et Donnarumma qui se détend pour écarter le ballon. Un corner qui est bien ajusté. Le corner ne donne rien. Ballon renvoyé par les défenseurs. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Nuno Mendes. Nuno Mendes. Ah, la conclusion peut-être sur ce ballon. Bonne intervention pour éloigner le danger. Bellingham. Avec Kylian Mbappé. Attention à ce tir. Le but est déjà deux buts d'avance dans cette finale. Voilà ce qu'on appelle casser des lignes. Cette passe en profondeur, c'est elle qui vient éliminer le dernier rideau défensif. Mais tout n'est pas terminé ensuite. La pression défensive s'accentue et malgré tout, il arrive à s'en défaire et claquer en premier. Deuxième but donc pour cette équipe, ça fait 2-0. Et le panneau indique que nous aurons 2 minutes de temps additionnel. Et l'arbitre intervient, c'est un coup franc là pour le Real Madrid. Ça y est, la première période arrive à son terme, direction les vestiaires. Le coup d'envoi de la seconde période avec Paris qui est en danger. Marco Asensio. Nuno Mendes. Il y a la place pour un bon centre. Oh, c'est bon, on va être récupéré. Zahir Emery. L'interception et le ballon qui échappe encore aux Parisiens. Le Real qui va tenter de porter le danger. Mbappé, il y a un coup à jouer là. Kylian Mbappé. Oh, le plongeon de Donnarumma pour éloigner ce ballon. Le PSG qui va faire un changement. Dans la surface, le danger écarté provisoirement. Vinicius la frappe. Oh, c'est contré. Ballon récupéré dans le camp adverse. Ah oui, ce petit ballon n'a pas dessus. Mbappé. Oh oui, la parade.
Ça y est, le ballon revient dans les mains du gardien après une première intervention décisive. Il s'en sort bien, ça aurait pu faire but, mais il était bien attentif. Offensivement, le Real interprète une partition idéale. Tout y est. C'est une symphonie de but pour les joueurs français. Là-dessus. Et ça joue sur Nuno Mendes. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Et pourquoi pas une contre-attaque là? Ouais, ballon par-dessus, bien joué. Et oui, le coup de sifflet là, c'est un coup franc pour Paris. Vitinha. Voilà, le ballon est récupéré. Attention à ce ballon par-dessus. Ouais, le gardien boxe ce ballon. La frappe lointaine. Ça sort et corner pour le Real Madrid. Un changement côté parisien. Combinaison, ça joue en deux temps. Fini sous la frappe et Donnarumma qui se détend pour écarter le ballon. Dans la surface, oh, c'est mal dégagé, le danger est toujours là. Bonne intervention, la passe est interceptée. Nuno Mendes, bien fait ça, sans faute. Bellingham, olé, le bon mouvement. Allez, pourquoi pas un tir. Et but, ça y est, c'est réussi, le doublé. Sa forme est éblouissante, son efficacité insolente. Deux buts marqués, et ce n'est pas fini. Si on regarde à nouveau ce but, la course est bien tranchante. Elle crée des différences dès le départ. La finition est aussi très bien exécutée. Pour moi, le problème, c'est la présence défensive insuffisante. Allez, c'est reparti dans ce match. 3 buts d'avance pour le Real Madrid. Vitinha. Marquinhos. Ousmane Dembélé. Ballon intercepté, c'est perdu par les Parisiens. Vinicius. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Et l'arbitre siffle, c'est un coup franc pour le Paris Saint-Germain. Vitinha. Vitinha. Kolo Muani. Eh ben, le récupéré sur cette bonne intervention. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. Ouais, ballon par-dessus. Ah, pressing réussi, pressing payant. Bien joué, bien présent à la tombée.
contre. Oui, bon pressing, bonne récupération. Il y a du soutien là pour attaquer. Et duel remporté en défense, belle anticipation. Le ballon pour Kylian Mbappé. Vers l'intérieur, pour aller provoquer, balle au pied. Et c'est au fond, quelle performance! Voilà son troisième but dans ce match. Une efficacité redoutable et un sens du but diabolique. Voilà son troisième but personnel du match. Des quoi récupérer le ballon, le faire signer par ses coéquipiers et le garder dans ce petit musée personnel. C'est parfait! Et le récital en attaque se poursuit, ce nouveau but en est la preuve, la défense est vraiment en souffrance. Allez, 5 minutes à jouer encore, mais entre ces deux équipes, il n'y a pas eu de match. Avantage laissé à Paris après cette faute, et il prend le dessus sur l'adversaire, à la conclusion peut-être sur ce ballon, et le but, ce but en fin de match pour tenter de recoller un petit peu au score, mais c'est sans doute trop tard pour combler leur retard. Sur ce ralenti, on voit comment le défenseur est battu au départ de l'action. Ça libère ensuite tout l'espace pour conclure. Arrivé là, on s'est dit que le tir est impossible. Et puis non, il arrive à se déjouer de la pression et à conclure parfaitement. Buts à 1 donc. Dani Carvajal. Ouais, le ballon par-dessus. Fabian Ruiz. Litangui. Ousmane Dembélé. Le temps additionnel est de 3 minutes. Vinicius. Ouais, bien joué, la passe pour créer le danger. Oui, c'est bien défendu et donc le ballon est éloigné. Ouais, la belle passe par-dessus. C'est fait, c'est terminé. Le Real Madrid remporte cette finale de Ligue des Champions. Le Real est à nouveau champion d'Europe. L'émotion est extraordinaire dans les tribunes et sur le terrain. C'est pas parce que tu l'as déjà gagné que tu n'es pas ému. Au contraire, plus tu gagnes, plus tu veux gagner et plus tu es ému. Et toutes les générations de fans de foot ont vu au moins une fois le Real gagner une Coupe d'Europe. C'est un club universel. Maintenant la suite de la cérémonie avec la remise de la coupe et on imagine qu'on lui a déjà préparé une nouvelle belle place dans le musée du Real Madrid. En tout cas, elle sera bien accompagnée. Ce n'est pas leur premier trophée, mais à chaque fois, c'est comme la première fois. C'est comme quand on tombe amoureux. Les rêves sont toujours nouveaux. Je suis même sûr que certains se sont entraînés à soulever la coupe comme ça devant le miroir. Et c'est normal, il faut avoir de l'élégance, du style, jusque dans les moindres détails d'une célébration. Ce moment va rester gravé dans leur mémoire. Et oui, jusqu'à la prochaine, parce qu'on le sait, le Real ne se lasse jamais de gagner des titres. C'est comme ça les grands clubs, la routine de l'exceptionnel. Et c'est le moment du tour d'honneur pour toute l'équipe, le moment de partager la coupe avec les supporters présents au stade. Et oui, c'est très important ces moments d'échange, car la joie est découplée quand on la partage. Et c'est toujours le football qui gagne quand la joie se propage.
Real Madrid vient poser au grand complet devant les photographes. Avec la chambre du premier plan, bien sûr, une des plus dans leur album.